Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vais vous faire le tirage toujours en mode vacances, organisation de compète. Hein, voilà. Je vais vous faire le tirage des énergies de lundi, mardi. Nous serons donc le 26-27 juillet. Et oui, nous allons aller voir d'un point de vue général avec. J'essaye de m'y retrouver dans mes cartes. Voilà. L'oracle de l'esprit animal. Quel est l'animal qui nous suit? Tous mes êtres de lumière. Pour lundi, mardi, on a l'esprit veille sur vous. L'esprit de l'aigle. Alors, si vous voyez des aigles, des faucons, on vous dit de prendre de la hauteur et on vous dit que les guides veillent sur vous et que vous êtes protégés. Vous avez l'esprit de l'aigle. Occupez-vous des petites choses. Esprit de la souris. On vous dit de vous occuper de vous aussi des petites choses. Ok, bon, c'est par là qui ça parle. Hein. Très bien, on va aller prendre mon oracle pour aller voir. Qui n'est pas terminé du tout. C'est complètement un... C'est un premier jet de mon oracle. Mais je sais pas, des fois je le prends. J'aime bien le prendre. Alors... Voilà, qu'est-ce qu'on... Ah, le choix. Magnifique. Et la colère en bon deck. Écoutez, on va prendre les deux. J'ai le choix et la chance qui tombe. Donc, on vous dit que vous êtes protégé pour aller faire le bon choix, vous voyez. Soit vous décidez que la boucle retourne et vous recontinuez à aller vers un choix qui vous brise le cœur, soit vous faites le choix d'aller vers votre cœur, quelque chose qui vous parle. On vous dit que vous avez la chance de pouvoir faire le choix. Et on vous dit de faire le bon choix. Ok. Bon, on va les mettre comme ça. Hein. Regardez, en plus, elles se suivent. Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit le Light Seer's Tarot pour lundi, mardi, mes petits loulous? Les êtres de lumière, mes anges. Alors, on nous parle de quoi? Wow, le page de bâton, magnifique. Le page de bâton qui part à la découverte de ce qu'il désire, voyez. Il trouve ce qu'il veut faire, il trouve ce qui le passionne, ce qu'il désire à l'intérieur de lui. Bah, du coup, vous allez être productif par rapport à ça. On a le 8 de Pentacle, vous allez dans la productivité. C'est comme si vous trouviez le bon métier, la bonne personne. Vous avez peur de vous tromper par contre. Vous allez avoir peur de vous tromper. Il va y avoir des choix à faire. J'en ai trop qui tombent, s'il vous plaît. J'en aimerais qu'une. Il va y avoir des choix à faire. Vous allez avoir peur de vous tromper. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes guides, mes guides, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ah, ouais. Bon. Vous vous libérez des blessures d'âme, là. J'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc, vraiment, on s'en libère. Vous libérez des blessures d'âme. Et c'est pour ça que, pour moi, vous allez faire le bon choix. Ouais, vous allez jongler entre plusieurs situations. Ça va pas... On est dans une situation délicate. Là. On jongle entre plusieurs situations, mais on est quand même équilibré parce qu'on a guéri nos blessures de cœur, nos blessures d'âme, notre peine, quelque chose qui nous a vraiment ruiné à l'intérieur. On est quand même dans l'hésitation pour faire un choix. Et pourtant, on sait. Pourtant, vous savez, avec le page de bâton, vous trouvez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Vous savez que vous pouvez être productif dans ce sens, mais vous avez peur de vous tromper. Peut-être peur de souffrir alors que vous avez nettoyé toutes vos blessures d'âme. Hein. Du coup, vous... Ouais, il y a une dualité. J'ai encore un choix à faire. Hein. J'ai 2 d'épée encore. Hein. Il y a encore ce choix qui revient là encore à faire, qui torture notre esprit. On vous dit que vous allez bouger. Le chariot avance, vous allez bouger, écoutez vos intuitions et être dans la confiance, dans les intuitions, dans la médiumnité. Avoir ce feu à l'intérieur de vous, on vous dit que vous êtes guidé aussi. Guidé pour que les choses changent, pour que la roue tourne un peu en votre faveur, vous voyez. Bon. Ok. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs sur le page de bâton. On trouve quoi? Wow, magnifique. On trouve l'amour. On trouve notre cœur. Ça peut être on trouve la bonne personne pour nous. D'un point de vue plus général, on trouve notre cœur. On trouve l'amour. On trouve une mission de vie, une mission d'âme. On trouve... Qu'est-ce qui fait vibrer notre âme? Vous voyez, il va y avoir des boomerangs, des retours positifs parce que vous avez été productif, d'accord? Des retours de productivité aussi.
Les retours au niveau amoureux, hein, ça peut être la retour d'une personne de cœur qui était faite pour vous, voyez, ou d'une belle relation pour vous. Ouais. Il y a eu des trahisons dans le passé. Vous avez eu des trahisons par rapport à une situation, à quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos ou des situations, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix. Donc là, il y a encore du mental, il y a encore de la peur derrière qui vous dit oui, mais si. Alors pour certains, ça va parler de sentimental, pour d'autres, ça va parler de travail, ça va parler d'entreprise, ça va partir de repartir dans un nouveau projet. Peu importe, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Ça peut parler de personnes de la famille pour certaines personnes. Parce que vous avez mis du temps à nettoyer ces blessures d'âme et que vous avez beaucoup jonglé entre plusieurs situations. Peut-être jonglé au niveau financier par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y en a qui vous ont mis dans la merde. Bref, vous avez une dualité. Vers où je vais? Alors que vous savez très bien au fond de vous quoi choisir. Hein. Alors, il faut écouter vos intuitions. Hein. Entre le cœur et le mental, écoutez le cœur, hein, toujours. Hein. Vous voyez, il y a une séparation. Il y a une séparation qui a été douloureuse. Il a fallu se séparer d'un travail, se séparer d'une personne. Il y a quelque chose qui a été très douloureux là. Hein. Quelque chose qui s'est déchiré. On s'est senti trahi. Ouais. J'ai quoi là? On vous dit que c'était la fatalité. Ça devait arriver comme ça. C'était peut-être aussi pour que vous soyez obligé de devoir jongler entre plusieurs situations, vous voyez. Alors, ça peut parler de séparation avec une personne, comme ça peut parler de séparation au travail, comme ça peut parler de séparation avec un membre de la famille, de, voyez. De séparation de population hein, aussi en ce moment on est bien là-dedans. Il y a un choix à faire. On vous dit qu'on est en pleine évolution spirituelle. Vous êtes en pleine évolution spirituelle là. C'est une chance d'avoir le choix. C'est une chance d'avoir un choix à faire. On vous dit que vous êtes protégé dans vos choix. Il y a déjà l'engagement, le contrat, j'ai des cadeaux, j'ai des félicitations, la tranquillité, le fait d'être ancré. Qu'est-ce qu'elle nous dit la triade par rapport à tout ça? Donc pour lundi, mardi, hein, 26, 27 juillet, quels sont les messages pour les petits loulous qui regardent cette vidéo? On trouve l'amour. Ok. Wow, on a une naissance. Ça peut nous parler de trouver la bonne personne avec laquelle on va faire un enfant, hein, si on suit les cartes, hein, clairement. Ça me parle de naissance aussi, de naissance de nouveaux projets. Parce qu'on se reconnecte à un projet de cœur, on trouve notre projecteur, cœur, on équilibre ses polarités, on va vers quelque chose de nouveau dans lequel on en est guidé. D'accord, ok. Donc on va aller lire pile poil là où elles sont tombées, on parle de silence. Peut-être que vous travaillez, vous êtes très productif, mais vous travaillez dans l'ombre. Comme un peu des travailleurs de lumière, vous voyez. Vous travaillez dans l'ombre. Vous avez peur d'un retour aussi. Ça peut être un retour de bâton. Hein. Ouais. Il y a des doutes. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de doutes hein, dans une situation. C'est comme si vous aviez des doutes de reproduire un schéma du passé dans lequel vous aviez été trahi, blessé. Et pourtant, c'est OK. Regardez, vous avez la protection. Vous êtes protégé. J'ai la protection qui sort avec le mensonge. Vous voyez? Vous êtes protégé par rapport à des personnes qui pourraient vous mentir, vous duper. D'accord? Vous trahir, quoi. Vous êtes protégé, vous avez l'esprit qui veille sur vous en plus. Hein. Sur cette séparation, alors justement, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ben, si elle veut venir, on va la prendre, ouais, la pénitence. Ouais, c'est peut-être temps d'arrêter de faire pénitence, par contre. Est-ce que vous vous maintenez dans la pénitence en n'avançant pas par rapport à des. Un travail, ça peut être, peu importe, quelque chose où vous êtes séparé, une situation où vous avez, il y a eu une déchirure et quelque chose qui s'est cassé, brisé, séparé. Un travail, un membre de la famille, une relation, peu importe. On vous dit qu'il serait peut-être temps de sortir de tout ça, vous voyez. Ça vous met trop dans le doute pour avancer. Parce que vous avez une porte hein, qui va s'ouvrir. Hein. Alors, si vous êtes une femme vers un nouvel homme, si vous êtes un homme. Soit vers un nouvel homme, hein, ça peut aussi, soit pour vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, quoi. Regardez, vous avez la clé. Et on vous dit que c'est une bénédiction aussi. Hein. C'est comme si on vous avait vraiment fait sortir là d'une espèce de zone de confort. Ok. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Au niveau sentimental pour lundi-mardi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'aide, de communication. D'accord. D'échange, de confiance avec une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental?
travail, peut-être une relation qui va avoir lieu au travail. Une relation pour laquelle vous avez beaucoup travaillé ou parce que vous avez beaucoup travaillé pour vous. Et des choses qui vont rester secrètes. Hein. Peut-être une relation discrète, secrète au début, qu'on ne va pas pouvoir montrer, où il y a des secrets. Ah, vous voyez, la trahison. Ouais. Y a encore cette histoire de trahison qui revient sur la lettre, les communications. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous faites la lumière. Il y a des échanges qui se font au niveau émotionnel où vous faites la lumière en fait. Vous allez faire la lumière sur une situation. Vous aviez confiance en une personne qui vous a maltraité, injurié, blessé. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour revenir dans des énergies positives. Ouais, vous avez découvert des secrets par rapport à cette personne. Il y a eu beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Vous êtes senti trahi. Ouais, parce que vous aviez beaucoup d'attirance pour cette personne. Ouais, on parle bien d'un homme. Hein. Une femme, un homme. Vous avez retrouvé de la légèreté. Vous avez le magicien derrière. Vous avez tout, toutes les cartes dans vos mains. Pour aller vers un bel engagement, pas forcément avec cette personne, ça va être avec une autre personne, mais ça va être beaucoup plus léger. Je sais pas si vous voyez, parce que moi oui, non, vous voyez pas si je mets les cartes là. Ok, d'accord. Bon, on va faire un petit tour avec l'amour divin. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? La réunification, ouais. Vous vous rééquilibrez pour moi. Il y a un lien qui était très fort avec une personne. Ouais, une personne qui a fui peut-être. Vous allez pouvoir accéder à vos rêves au niveau sentimental. Ou vous rêviez de cette personne. C'est pas parce qu'elle fuyait qu'elle ne pensait pas à vous. Vous avez des signes. Vous êtes en train de purifier un lien là. Et de vous purifier. Regardez, vous voyez, j'ai le yin et le yang, on s'équilibre en tote deck. Magnifique. Bon, pour lundi, mardi, on vous dit que vous allez trouver un projet de cœur, l'amour, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer au niveau du cœur, trouver la bonne personne, vous équilibrer au niveau vos polarités, vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez être productif par rapport à ça, il va y avoir des retours positifs. Vous n'allez pas forcément parler de tout ça, gardez ça sous silence. Mais vous allez beaucoup hésiter à faire un choix là. Par peur d'être trahi. Et pourtant, vous êtes protégé par rapport à des personnes qui pourraient vous trahir, vous mentir, vous duper. Vous avez beaucoup souffert au niveau sentimental. Pour moi, vous avez nettoyé, vous avez laissé ça derrière. Vous êtes séparé de personnes qui ne vous correspondaient plus. Voilà. Mais vous êtes resté un peu dans la pénitence, vous voyez, dans le sens où bah, je m'empêche de vivre par peur de souffrir un peu, vous voyez? Du coup, vous jonglez entre ces deux situations. Je me suis libérée de mes blessures, mais en même temps, j'ose pas avancer. Fatalement, ça devait arriver comme ça vous met dans le doute, on vous dit. Vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix. Et pourtant, vous avez un choix à faire. Vous positionner, ce serait une grande chance pour vous. Ça montrerait aussi votre évolution, vous voyez, pour aller ouvrir une nouvelle porte, quelque chose de nouveau. On vous dit que vous êtes protégé en ce sens. Hein. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il va y avoir des communications, vous allez vers beaucoup de lumière. Il y a une réunification avec une personne où vous vous réunifiez, vous rééquilibrez vos polarités. Personne en qui vous aviez confiance, qui vous a blessé, injurié, un lien qui était très fort. Peut-être que vous avez rencontré au travail, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vous reconnecter à des énergies positives face à une personne qui a fui. Ou peut-être est-ce vous qui avez fui. On vous dit que vous avez appris des secrets, il y a des choses qui étaient cachées, secrètes, ou peut-être qu'il y a une relation qui est discrète, secrète. En tout cas, ça vous met dans beaucoup de colère. Vous rêveriez peut-être que ça arrive au grand jour. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, pour laquelle vous avez beaucoup d'attraction. Vous avez des signes de purifier cette relation. Il faut la purifier, cette relation. Il faut que les choses soient purifiées. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'améthystologue, du coup? Ah, vous voyez? Quand vous aurez purifié, il y a une rencontre qui va arriver dans les 3 mois. Et ce sera un grand oui avec cette personne qui va arriver dans les 3 mois. Bon, dans les 3 mois, ça peut être 6 mois, 1 an. Hein, ça. Parce que ça dépend de quand vous purifiez et comment vous purifiez aussi. On va être au clair, hein, c'est des tirages généraux. Hein. Vous voyez? Il va y avoir une union, un couple avec cette personne. Contrat de mariage, c'est la bonne personne pour vous qui arrive.
J'ai l'impression que là, au niveau sentimental, il faut lâcher une ancienne relation. Bon, bien sûr, on nous parle d'attente. On vous dit qu'il faut rester patient, parce qu'il faut. Mais rester patient, ça ne veut pas dire rester les bras croisés, hein. Ça veut dire travailler sur soi. Vous êtes en pleine guérison, vous voyez. Il y a une invitation à venir au niveau sentimental. À un nouveau départ aussi. Bon, c'est plutôt chouette. Allez, un petit conseil. Quels sont les petits conseils pour lundi, mardi? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. L'amour. On vous dit de rester dans l'amour. Ben voilà, mes petits loulous. Et de réveiller votre potentiel créateur. Écoutez, voilà, mes petits loulous. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je ne peux pas vous faire les liens d'âme, tout ça, comme d'habitude, parce que je n'ai pas pu prendre tous mes tarots. C'est vraiment le mode vacances. Je vous embrasse tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous passe cette vidéo. Et puis, j'essaye de vous refaire la vidéo des énergies de mercredi, jeudi, ensuite, et puis après du week-end. Je vous embrasse tous, prenez tous soin de vous et puis après on fera les tirages astro. Bisous bisous, ciao ciao.